Ok, yo, 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 c'est Enax, aujourd'hui on se retrouve sur World and Physics. Vous allez voir, c'est un petit jeu sur Armor Games qui a l'air vraiment trop bien. J'ai essayé les trois premiers niveaux, j'ai fait « Oh, le concept est génial !» Donc c'est parti. Ok, alors dans cette vidéo, il va y avoir tout le temps écrit « Action Myrilis » en plein milieu. Oui, je suis désolée, j'avais absolument pas remarqué qu'ils allaient écrire ça. Et donc voilà, dans toute la vidéo il y a ça, mais en même temps je vais pas refaire le jeu. De toute manière, Action Myrilis, là c'est ma version d'essai, donc c'est ça qui est bizarre, normalement il n'y a pas, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, je vais l'acheter, et après on n'aura plus de soucis. Voilà, donc désolé pour cette magnifique promo d'Action Myrilis, et on se dit à la prochaine, et bonne vidéo. Voilà, il nous explique, mais je vais vous expliquer. Là, vous voyez, il y a écrit ça. Et je peux bouger, je peux enlever des lettres, je peux en rajouter. Et si j'enlève tout, et ben le mot, il tombe. Et voilà, tout ça, c'est le concept du jeu. Maintenant, you can push object, push. C'est pas push, c'est push. Donc là, si je mets avec ma barre espace, j'écris un mot ou alors je fais un espace, et ben ça tombe. Et voilà. Et là, qu'est-ce qu'il me demande ? Il me dit de faire... It's a simple test. Ah oui. Hop, je supprime. Et ensuite, je pousse. Voilà. Et je trouve ce concept juste trop bien. Alors lui, j'étais là, je comprenais pas. Je fais, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Tu peux enlever les mots comme ça. Et tu peux en remettre. Alors je me suis dit, il faut pousser comme ça, là. Tu mets là, enfin... Donc voilà, je peux effacer peut-être. Non, ça marche pas, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, vous avez peut-être revu, je vais le remettre. Retry level. Quand il y a écrit move right, et bizarrement, hein, ça va à droite. Alors que si je mets move left, pouh, ça marche. Ah, j'ai mis du temps à comprendre, mais quand j'ai compris... En fait, j'ai lu le mot, j'ai fait left, et oh, ça marche! Truc de malade. Trop bien. Et là, là, ça y est, je connais plus. Move là. Move left. Ok. Non, là, il y a un mur. Move. Ok, on s'est bloqué. On va recommencer. Move up, peut-être. Allez, c'est ça. Putain, je suis trop douée. Je suis trop douée. Ça fait plaisir d'être intelligente dans un jeu. C'est vraiment un vrai plaisir. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Move. Mais non! Ça fait plaisir d'être intelligente dans un jeu. Et voilà. Allez là! Et bim! Ah oui, quand même, ça devient quand même un petit peu chelou. Alors, remove them, je sais pas pourquoi. Hein. Ah, remove me. Je suis bête quand je m'y mets. Right. Et ensuite, il faudra que je... Ok, j'ai compris. Il faut que, quand j'arrive là, j'enlève direct les mots pour qu'ils tombent. Maintenant. Voilà. Écoute, oh, tu me fais pas chier. On pousse. Ah ouais, d'accord, on va faire les trucs. Oh, mais ce jeu me vend du rêve. Là, on va écrire... Move left. En enlevant le Y, s'il vous plaît. Ça marche pas? Pourquoi? Il doit y avoir une lettre en plus. Non, pourtant. Ah, mais d'accord, on peut écrire autant qu'on veut. Non, oui, c'est ça. Voilà, et là, on push. Push, push, push. Et voilà. C'est très stylé. J'adore ce concept. En plus, cette musique, je sais que je la connais, mais je sais pas où, ça m'énerve. Puis tout à l'heure, je suis là, oh, cette musique, je la connais. Je sais que c'est une intro de quelque chose, mais je sais pas quoi. Et ça m'énerve. On va écrire bombe. Bombe. Tu peux brûler le mot. Faut que j'arrête de faire clic droit, ça sert à rien. Donc là, ce qu'il me dit, c'est, est-ce que tu veux voir quelque chose de cool? Je sais pas comment dire, how about... Normalement, c'est qu'est-ce t'en dis de, des mots brûlés. Je comprends pas. Ok, alors, c'est quoi les mots qui commencent par 2-4 lettres? Alors, you about burning, si j'écris burn.
Bran. Ça coule pas. Si j'ai pris... Ah merde. Ah, comment c'est... Ah oui, Fire. Ah bah c'était ça. Oh, stylé. Donc... Ah ok, on peut écrire des mots. Move. Up. Non. Fire. Ok. Plank, peut-être. Whatever floats your boat. Non, avec le plank. Alors, je savais pas du tout, mais whatever floats your boat, c'est-à-dire comme tu veux. D'accord. Mais après, il y a peut-être un truc avec... Oh, on peut réécrire ici. D'accord. Bon, on va écrire... Et là, on va faire... Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, ça marche pas. On peut pas mettre des émoticônes. Enfin, je voulais mettre un... Deux points et un... Une parenthèse, mais ça va marcher. Pour faire... on ne sait trop quoi. Et t'imagines le mot plane, ça te crée un avion et tu pars. Ce serait énorme. La meuf qui a pas du tout fait exprès. Alors, whatever floats your boat. Il me parle quand même de bateau. Donc si je mets boat. Ah ouais, ça va me créer un bateau. Non. Float. Non. Water. Oh, purée, c'était ça. Oh, c'était juste ça. Mais non. Et le plank, il va monter. C'est sûr. Voilà, et ça va le défoncer. Parce que plank, ça veut dire, je vais vous dire ça tout de suite. Plank, ça veut dire planche. C'est pour ça qu'il faut être doué en... Donc là, on a une planche en anglais. Parce que dans des jeux où il y a de l'anglais partout, c'est mieux. Bon, là, water, hein. On a bien compris le système, hein. Tu vas pas m'avoir deux fois. Voilà. Ah mince, parce que lui, il n'y a pas eu water. Oh, mais je sais pas écrire. Ok, ça sert à rien, le dernier. Là, on peut écrire peut-être tu. Non, ça sert à rien. Fire. Oh, c'est ça. Fire. Là, c'est pas ça. Là, on peut pas. Hein. It already has helium, but what is it? What is it? Helium. Là, pourquoi il y a ça, là? Je peux pas écrire un truc avec ça. Ma mystery bull de gamme. Donc là, on a un truc en cage. Récapitulons notre petit problème. On a du feu. Avec du feu, on peut peut-être écrire water ici. Parce que là, il y a forcément un truc à écrire. Oui, mais un mot. Écoutez, on va aller voir sur internet. Un mot. Hélium. Mot. Je sais pas, peut-être qu'il va y avoir un truc. Il va me dire... l'hélium, ça prend le soleil. Ballon à hélium. Donc ballon. Enfin, ballon. Non, attends, comment décrire en anglais? Ballon déjà. Oui, mais du coup, il y a deux N, non? De O, un N. C'était ça. Mais oui, mais bien. Pourquoi Switch? Je sais pas tout compris, mais en tout cas, on a réussi. J'ai vraiment voulu écrire sur internet hélium, et je me suis dit non, ballon à hélium pour que ça. Et voilà. Ah non, mais je suis une espèce de génie sans le savoir en fait. Right. Et là, on supprime. Ah non, il y a un laser, d'accord. Mais non, pas left. Move right. Ah, mais si, ce sera parfait, comme ça j'ai plus de temps pour l'écrire. Move left. Oh oui, le talent est présent. Ah bah du tout. Je sais pas ce que j'ai fait. Alors attendez. Il faut qu'on essaye de réfléchir. Oui, je sais, c'est compliqué. Alors, move up pour celui-là. Move up. Et ensuite, move left. Non, le move right. Oh, voilà, on l'arrête. Là, on met move right. Et là, on met move left. Allez! Le talent! Non, la prochaine!
je vais l'enlever pour... Oh non, je suis trop bête. Bon, c'est pas grave. Je vais l'enlever pour avoir plus de temps. Mais j'ai trop merdé. C'est pas grave. Voilà. Comme ça, c'est beaucoup plus facile. On ne se prive pas d'une chose facile. Très sympa, celui-là. J'ai vraiment bien aimé. J'ai un peu galéré, on va pas se le cacher. Mais sympa. Il nous reste beaucoup de levels, je crois. Hein. Ouais, mais on finit dur, on va pas faire ça en deux. Hein. Oh putain. Je suis la concentration! Attendez. Eh ben non! Ah, t'as failli le laser! Delete me. Ok, pas de soucis. Right take. Non. Ouais, c'était pas forcément ce qu'il fallait faire. J'ai jamais dit le contraire. Là, on peut voir qu'on peut écrire quelque chose. Presque. À mon avis, il faut juste que le mot... Oh non, attends. Est-ce que c'est si con que ça? Ah non, ça marche pas. Ah si, attends. Si j'enlève ça. Là, du coup, hop, ça burn. Ah mais ça sert à rien. Mais j'étais trop contente. Mais non, tu dois nettoyer l'endroit quand la bombe explose. Il doit plus rien y avoir quand la bombe explose, peut-être. Ouais, ça va être ça. Hop. Fire. Et là, je fais exploser. Ça n'a pas de ce sens, sinon ça sert à rien. Là. Oh non, ça va marcher. Il faut qu'il soit plus près, c'est pas possible sinon. Et là, pouf. Ça n'a rien fait. C'est génial, j'adore ce jeu. Mon, t'es dégoûté. T'as fait le plus beau move de ta vie. Et ça n'a servi à rien. C'est génial. Oh genre... Ah oui, mais non. C'est jusqu'au L qu'il faut aller. Sinon, ça ne sert à rien. Qu'on se le dit, clairement. Mais genre, pourquoi ça marche pas? On va mettre fire direct ici. Ensuite, on va enlever ça là. On va faire ça. On va faire ça, comme ça, ce sera prêt. On fait ça, et là, bim! Bim! Défonce-moi ça, ta... Vas-y. Pourquoi ça marche pas? On va faire ça. Oh, yeah, of course. Ah ouais! Mais non! J'ai niqué le game! Oh là là! Oh, ce... Oh non! Alors, je... C'est pas comment fallait faire, mais à mon avis, c'était pas ça. Mais en tout cas, bah, je crois qu'on va arrêter là parce que c'était juste trop classe. Et je pense que le dernier niveau, ça va être la mort. Donc, je vous laisse faire le dernier niveau. Je le ferai pas. Voilà, je le ferai moi-même. Parce que je pense que le dernier niveau va me faire rager. Donc, sur ce, merci en tout cas d'avoir regardé cette longue ou petite vidéo. J'en sais rien parce que je vais faire pas mal de montage. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle. Et aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous reconnaissez cette musique, parce que ça m'énerve, je sais pas ce que c'est, mais je sais que je la connais. Donc ça me saoule. Allez, ciao, ciao!